Chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. Bonsoir à tous les écouteurs, heureux peut-être pour certains. C'est moi. Bon, eh ben, que dire à part on va faire du potion craft. Voilà, j'ai pas d'idée d'intro, d'habitude je fais voilà. J'espère que ça va toujours, moi ça va. Mais ouais, on va faire du potion craft. Après avoir fait du Marvel Midnight Suns. Marvel Midnight Suns, j'avais totalement oublié cette histoire de partie. Hein, là qu'on a atteint la partie 2 seulement maintenant, du coup, ça me fait dire que ouais, le jeu risque d'être long. Ce qui n'est pas un défaut. Hein. Mais ouais, ok. Bon, on verra quoi. Bref, pour l'instant, on va continuer Potion Craft. Bézo. Potion Craft, par contre, j'ai aucune idée de combien de temps ça peut durer. Attendez, je vais regarder vite fait sur Google Chrome. Combien de temps ça peut durer? Hop. Sur Google Chrome. Vous voulez dire Google, n'importe quoi. Heure de jeu. Potion craft. Temps de jeu en moyenne 11h30. Ah oui, quand même, un petit 11h30. C'est pas très long. Petite dizaine d'heures. Ok. Je sais même pas, on a dû faire 3 heures, hein, nous, pour le moment. À peu près. Allez. Peut-être 3-4 heures, ouais, franchement. Mais pas beaucoup, hein. De toute façon, c'est le genre de jeu, je viens, je le fais, je pose mon cerveau, quoi. Alors, il faut qu'on crée une potion de foudre et qu'on répare la machine. Ouais. C'est réparer la machine qui risque d'être long, surtout.
qui veut quoi? Terminer le dialogue. Quel genre de potion avez-vous besoin peut-être avant? Potion forte, pas possible de passer le rocher mer, machin. J'ai potion de force? Évidemment que non. Livre de recettes. Est-ce que je peux en fabriquer une comme ça? Oui. Et niveau combien? Niveau 1. Oh. Pas terrible. Bon, après ça. Ça ira. Je vais rien acheter parce que justement j'économise pour l'autre truc. Ouais, bonjour la chimiste. Les habitants d'un village voisin m'ont demandé d'anéantir les ghouls qui les terrorisent. Depuis quelques temps, elles nicheraient quelque part à proximité immédiate. Pour détruire leur nid, il me faudrait une bombe ou quelque chose de combustible à la rigueur. Vous pourriez m'aider? Il est où de feu et d'explosion? Allez, voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Parfait. Au vent, là. Je donne une potion qui améliore ma rapidité. Vous en avez. Je vais réfléchir à une potion faite à partir de 3 types d'ingrédients, mais pas plus. Rapidité. Pas de lévitation. Il est où? Il est là. Alors, elle est où? Elle est là. Hop, hop, hop. On est en train de faire rentrer de la thune, mine de rien. Salut Destiny, comment tu vas? Bonjour l'alchimiste, comment vont les affaires? On m'a dit qu'un poisson rare, pardon, avait été aperçu par ici. Il ne sortirait que la nuit pour manger des lucioles, vous comprenez? Il me faudrait une sorte de potion luisante pour lui... Potion luisante, j'ai pas ça, non? Ça va, ça va. Comment ça, ça va mouer? Après, si tu veux pas en parler, évidemment. Voilà, mais... Du feu? Non. De libido? Non, vas-y, veux pas. Allez, attends. Vas-y, raconte-moi, là. Depuis quand vous... montre-moi ce que t'as en magasin, je t'achète des conneries quand même. Oula, ça fait déjà beaucoup à négocier. Allez, barre-toi. Barre. T'inquiète, ça va aller, mon grand juif. Je veux ma peau soit dure comme de la pierre. Il veut que sa peau soit dure comme de la pierre. Regarde. Oh, lui, il a des problèmes aussi. Mais est-ce qu'on peut l'aider? Moi, je crois que oui. Niveau 2, ouais. On essaiera d'améliorer un petit peu les recettes après. Hop là. J'ai besoin d'une potion capable de neutraliser des cafards, des punaises et d'autres insectes. Tiens. Je suis l'alchimiste qu'il faut venir voir pour tout et n'importe quoi, n'empêche, maintenant. J'ai entendu dire que les charançons sont capables de dévorer toute notre réserve de houblon. Je dois les éradiquer à quelque chose de toxique. Moi, du poison aussi, quoi. Hop. Je vends. Il m'a demandé d'enchanter son épée pour qu'elle puisse invoquer la foudre. Pour ce faire, il faudrait une potion à l'effet similaire. Potion de foudre. Ah ouais, ah oui, potion de foudre. Il faut que je la crée justement. Attends. Ne bougez pas, monsieur. On va essayer d'aller là, voir si c'est ça là. Ok.
suis en train de tout piler là. Ok. Donc là, je dois aller à droite. C'est où pour... c'est, ah oui, c'est des fleurs bleues comme ça pour aller à droite. Je souviens. Hop, la prochaine, je vais la mettre directement là. J'espère que c'est ça la potion de foudre, hein, du coup. Oula, oula, ouais, pourquoi tu rames comme ça, toi? Ah, c'était pas prévu comme ça, ça, de toute façon. Ah non! Ouais. Ah, j'ai un petit truc pour ouais. On va essayer de le faire niveau 3 tout de suite, parfait. Potion de foudre, parfait. Incroyable. Incroyable. Erreur, je viens de la faire, monsieur. Hop, 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 hop. Hop. Vendre. Parfait. Les livres de recettes, qu'est-ce qu'on peut améliorer vite fait comme ça? Libido 2, soin 3, ok. Lumière 1. On va regarder pour la lumière, tiens. Où est-ce que c'est? La lumière, c'est par là. On va s'améliorer la lumière au niveau 3. Alors. Je comprends que ça casse les couilles, mais en vrai, dis-toi Osef. Dis-toi vraiment Osef, c'est pas... C'est des comptes en or pour toute ta vie. Hein. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, hein, c'est que de toute façon, même si c'est pas toi le fautif, il y aura toujours des parents qui diront que leur enfant, il est parfait, et ce sera pas eux, tu vois ce que je veux dire. Il manque tes parents, ils te croient. Dis-toi que tu t'en bats les couilles. Et puis au pire des cas, si vraiment il recommence, tes parents ils vont voir les flics et puis c'est bon. C'est des cassos de ton blade et puis, de ton blade et puis basta quoi. T'inquiète pas, il y en a partout, je te rassure. Ah ah Eh.
Ah. Merde, quel con. C'est quoi que j'ai... Ouais, ça, hop, retirer, du coup. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, on regardera pour faire d'autres potions plus tard. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. T'inquiète pas. De toute façon, c'est un jeu détente, hein, y a rien à suivre. C'est pour prise de tête. Si tu t'endors et que tu te réveilles dans 10 minutes, t'auras rien loupé. Enfin, c'est un peu, de toute façon, le rôle du live de deuxième partie de soirée maintenant, de vous aider à vous endormir, on va dire. Je vais passer en ASMR bientôt, je pense. Alors là, vous voyez, ce que j'essaye de faire, c'est pas compliqué. C'est que je vais faire une potion. Je sais pas si ça vous intéresse. Et j'arrive pas à supporter l'ASMR. Même moi là, quand je viens d'en faire 2 minutes, hein, ça m'a cassé les couilles. Alors, montre-moi ce que t'as en magasin. C'est ça qu'il me faut. Ouais, bah voilà, tu vois. Je suis pas le seul à le penser. Allez, fais-moi un prix. Bordel de merde. Marché conclu. Chapitre 3 terminé. Très bien. Et Ah oui, d'accord. Ah, on a bien tout remplacé. Vache, il reste que ça. Et ça sert à quoi tout ça? Ajouter d'abord de quoi? Des réactifs dans la machine d'alchimie, oui. Genre ça. Non. Genre ça. Ah oui, mais non. Alors, pas ça. Attendez. Je vais tester avec un truc que j'ai en mouse. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est quoi les nouveaux objectifs? Recueillir un gros livre d'expérience sur la carte d'alchimie, ok. Créer potion de furie. Créer une potion avec 4 effets différents. Créer œuvre noire. Alors, je sais pas ce que c'est œuvre noire, mais... Ok. On va finir notre journée d'abord, et après on verra. J'ai besoin de quelque chose pour rendre ma peau aussi résistante que du métal. Évidemment, j'ai pas la potion qu'il me demande. Peau de pierre. Ouais, il demande de métal en vrai. Est-ce que il va vouloir? Ah oui, non, c'est juste. Ok. Je dois apporter quelque chose au village voisin de toute urgence. Mais mon cheval n'est pas très rapide. J'ai peur de ne pas arriver à temps. Avez-vous une potion pour les chevaux, de quoi les rendre plus rapides ou leur donner plus d'endurance? Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop, 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 hop. Hop, hop. J'ai besoin d'une potion permettant de devenir plus petite et agile pour mieux voler des biens. J'ai ce qu'elle demande, je crois que oui. Croissance rapide, bah du coup non. Ah, j'ai pas l'air d'avoir. Potion de furie, potion 4 effets. Gros livre sur la carte. Elle avait un truc pour aptisser du coup, mais
Mais je sais pas où, moi. On va aller en haut à gauche. On se fera la potion 4 effets après cette journée-là. Mais d'abord, on va monter. Ouais, j'ai quelque chose pour monter plus vite parce que ça va être très long sinon. Mais j'ai pas l'impression. Ouais, non, j'ai... Ouais, non. Bon, et ben on va monter. Ok. Ok. Et donc à gauche. Attendez, j'ai bien un ingrédient. C'est celui-là, je crois. Ah oui, mais non, du coup. Le problème, c'est que les téléporteurs, je sais plus lesquels j'ai pris et lesquels j'ai pas pris, quoi. Parce que je veux bien me téléporter, mais... Ah, le déplacement était pas dingue. Hein. Putain. La vache. Mais n'empêche qu'il y a une potion là aussi. Donc on va voir ce qu'elle fait celle-là. Allez, un chouïa à gauche, quoi. Parfait. De furie, ben voilà, ça c'est ce qu'on voulait. Pour avancer, mais c'est pas ce qu'elle veut la madame. Madame, elle voulait pas ça. Je me rappelle, elle l'a dit, je veux pas ça, arrête tes conneries, maestro. Ok, donc on se TP là. Alors, moi je veux bien faire plein de TP pour voir où on va, mais... Quelle mauvaise idée, je viens de voir. Et yes. Je sais pas... Pareil vous, madame. Tant pis. Certains ingrédients sont extrêmement épineux, difficile de les cueillir à main nue. En outre, souvent grimper à travers des buissons épineux pour trouver des nouvelles plantes. N'aurait pas de plus. Si je te fais ça. Alors attends. Si je te fais ça. Ça te va ? Oui, celui-là.
Ouais, montre-moi ce temps magasin aussi. Toujours négocier, c'est important. Si on peut gratter, on gratte. C'est la base du commerce. J'ai besoin d'une potion permettant de conserver la fraîcheur de la viande et des légumes. Oui. Je commence à faire des potions pas dégueu, hein. Elles sont quasiment... En tout cas, les plus utiles, elles sont déjà niveau 3. Faut juste que, à mon avis, plus tard dans le jeu, je vais devoir apprendre à... Je vais devoir enregistrer des recettes d'avance pour qu'elles... Il y ait des potions qui aient plusieurs effets. De ma porte d'entrée est bloquée, comment rentrer chez moi maintenant? Vous n'avez pas une solution? Je ferai davantage si les potions renferment des vertus supplémentaires. Ah bon? Ouais. Tiens. Code vertu supplémentaire. Force niveau 1. Non, ça va. Ah, c'est vrai qu'il y a à chaque fois qu'il y en a un qui se place, qui arrive et qui dit ça. Pour corriger ma maladresse? J'ai pas ça, non? Ah, bah si! Qu'est-ce que je suis con? Pardon. Non? Pour la maladresse? J'ai ça, moi? Pour l'air d'avoir ça, moi, non? Partout. On verra plus tard. Vous avez un sédatif ou tremper un cheveu dedans et pour savoir pour endormir quelqu'un, hein, bien sûr, j'ai. Tiens. Hop. Voilà. Alors. Parce qu'on rigole, on rigole. On va faire une potion à 4 effets différents. On va essayer de faire les 4 qui sont là, parce que normalement c'est les plus simples, théoriquement. Hop. Hop. Et hop. Alors. Et je touille, 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 et je touille. Ah, je vais la faire que niveau 2, parce que de ce que j'ai compris, voilà. Et les autres, faut que je les fasse juste niveau 1, parce que vu que le gel, ça prend déjà 2 places. Alors je vais faire une potion de gel qui soigne, qui empoisonne et qui fait je sais plus quoi. Ça n'a aucun sens du coup, mais on va le faire. Parce que bon, qui soigne et qui empoisonne, c'est un peu audacieux. Qui met le feu, voilà. C'est vraiment les deux opposés à chaque fois, quoi. Une potion qui vous donne froid et en même temps chaud, qui peut vous soigner, mais également vous tuer. C'est grâce à ça que je vais faire fortune. Ça n'a aucun sens. Les gens vont dire « Waouh !» Il est tellement fort qu'il fait des choses qui se contredisent. Eh oui. Eh oui.
Et voilà, une potion qui donne froid, chaud, qui rend la vie et qui empoisonne en même temps. C'est moi qui l'ai fait. Incroyable, non? Alors, créer œuvre noire, qu'est-ce que c'est œuvre noire? Qu'est-ce que ça veut dire? Créer œuvre noire. Et ça, qu'est-ce que... Il y a des choses? Non? Ah! Ah! J'ai pas compris. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. J'aimerais comprendre, mais... Attendez, parce que j'ai vu qu'il fallait du sommeil, je sais pas quoi. Oh, j'ai putain, j'ai déjà fait une potion de sommeil. Mais j'ai pas enregistré. Ah, c'est pas mal. Ça va nous donner l'occasion d'essayer de l'avoir niveau 3. Pour descendre. J'ai plus rien pour descendre. Non, arrête un peu. Ça monte. Oh. J'aime pour bien ça. Là, ils sont où les machins pour faire les choses? Non, j'en ai pas. Putain, obligé d'attendre la prochaine fois. Mais non. Mes trucs là que j'ai déjà pilé, tu fais chier. Bon. Bah, je pense qu'on va aller dodo. Hein. Mais créer œuvre noire, d'accord. Certes. Regarde. 4, 5, 6, 7. Ouais, je regarde un peu. Il y aurait 10 chapitres apparemment. Mais œuvre noire, oui. Ah, du coup. Réactif pour créer l'œuvre blanc et du sel du néant. Mais en fait, oui, là, vous voyez, je vois qu'il y a des choses à faire, à mettre à des endroits. Ah, juste, je vais regarder. J'imagine qu'il me faut du poison niveau 3, du dodo niveau 3. Enfin, je ne sommeille niveau 3. Il me faut plein de choses niveau 3, j'imagine, en fait. À mettre à des endroits, quoi. Mais c'est pas clair de où est-ce que je dois tout mettre, je trouve. On verra. On va aller coucher pour le moment. Je viens de voir un truc. Par contre... pratiquer... Tiens, entre longs des expériences, livre vert apparaissent plus régulièrement sur la carte de chimie. Hein. Rayon de visibilité. Ouais, je vais prendre ça parce que il était niveau 4 et que les autres. C'est... Enfin, il était pas niveau 4 et que les autres l'étaient déjà. J'ai décidé d'apprendre à invoquer la foudre, j'ai besoin d'une potion à effet similaire pour mener à bien mes expériences. Ah, attends, déjà. J'ai cherché des choses dans mon jardin. Potion de foudre, il veut... Voilà.
J'ai besoin de votre aide. Le tavernier du coin m'a demandé d'inventer une bière spéciale pour les clients, particulièrement chahuteurs, qui boivent trop et ont l'alcool mauvais. Je souhaiterais pour leur payer une tournée de boissons sédatives quelconques. Que vous avez une... Sédative ? Ah. Ah, mais il veut un truc pour endormir, justement. Alors attendez, parce que maintenant j'ai peut-être ce qu'il faut. Ah oui, j'ai l'air d'avoir ce qu'il faut. Mouyo, ah non, c'est pas. Je croyais que c'était encore quelque chose que je n'avais pas découvert. Ok. Alors au moins déjà ça ce sera fait parce que de ce que j'ai compris je l'avais pas du tout ouais je l'avais pas du tout enregistré. C'est terrible. On va peut-être pas laisser entrer des pauvres dans la table. Non. Je vais pas lui dire comment gérer son commerce à ce pauvre homme, il faut bien qu'il vive. Non mais. C'est son chiffre d'affaires. Alchimiste, il me faut une potion de soin, j'étais en train de. Potion de soin. Faites chier avec vos potions de soin. Allez, va-t'en. Ah, quel genre de potion t'as besoin? Préfère pousser dans des grottes, j'en connais quelques-unes. Une torche pour cueillir des champignons, c'est une vraie galère. On a alors, une potion de vision, j'ai. Tiens, prends. Va-t'en, montre-moi ce que t'as en magasin. T'as rien qui m'intéresse, mais je vais t'acheter des trucs quand même parce que je suis sympa. Allez, casse-toi. J'ai besoin d'une potion pour faire exploser. Exploser, oui, le puits d'un autre village. D'accord, madame. Ah, explosion, j'ai que un. Ok. Allez. Je pensais que j'étais minimum niveau 2 en vrai. Niveau 3 non, mais niveau 2. Vous auriez quelque chose à verser dans le verre de vin d'une personne vraiment pénible, je ne voudrais plus avoir affaire à elle. Ouais, tiens. J'ai acheté cette potion mais à bas prix. Putain, vraiment je me fais chier à faire une potion comme ça là. Est-ce qu'il y en a une qui descend dans le sens où je veux aller au moins? En vrai. J'ai l'impression de faire du gaspillage avec cette ressource. Pour aller faire une simple ressource de poison. Mais écoutez, il faut. Ok. Ah oui, d'accord, c'est un TP carrément. Ah, c'est incroyable. Effectivement, j'ai un peu gaspillé la chose, je crois.
Je crois qu'on est bien. Ouais, parfait. Tiens. Voilà, allez. Mon époux part dans les bois pour traquer du gibier. Il aurait besoin d'une potion pour l'aider à mieux chasser. Ouais, ouais. Barre-toi avec ça. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, vous avez de quoi l'améliorer? Alors, je ne sais pas. Visiblement, oui. Mais vu que sa vue c'est plus qualité, je pourrais lui vendre n'importe quoi, ça passerait. Moi j'en aurais profité pour faire ça. Ah, j'ai qu'un seul point, ouais. Ok. Bon, Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une potion de dodo niveau 3. J'ai pas ce qu'il faut. Au revoir. J'ai l'impression que il va falloir que je me refasse un stock de ressources pour pouvoir faire ça, quoi. On va pas l'avoir tout de suite, hein. Ok, bon. Il peut pas y avoir plus de choses ici, quoi, ça. C'est quoi? J'ai besoin d'une potion qui me permettra de fuir ou de semer les gardes. Bah ça, hein, je pense, hein, de toute façon. Là, on avait déjà une. Bon, c'est pas grave, une ligne d'avance. Allez. J'ai été récemment impliqué dans une affaire et quelqu'un a découvert le secret. J'ai besoin d'un poison pour me débarrasser du... Je vends tellement de choses pas claires. Tiens. Je me suis coincé le doigt sans le faire exprès et ça me fait un mal de chien. Vous pouvez peut-être m'aider. Ah, super. Hop. Et partout. Putain, tout ça pour 8 pièces en vrai. Allez, allez. J'ai besoin d'une potion qui m'aidera à grimper au sommet d'une haute falaise escarpée. Ah, est-ce que ça te va ça? Non, lévitation du coup, j'imagine. Elle est que niveau 1 et en plus j'ai pas des trucs de fou. Ah je suis sûr que je peux l'améliorer hein, maintenant. Ah non mais ça c'est pas lévitation, quel con. Ah lévitation c'est loin. Ah. Ok. Bon bah maintenant qu'on s'est lancé. Allez! Parfait. Putain, mais quelque chose qui va à gauche, merde quoi. J'ai l'impression qu'il y a tous les ingrédients vont à droite, de toute façon, de. Quasiment tous en tout cas. Bien sûr, j'en ai beaucoup. Là, je vais remonter. Je vais voir où ça me TP ça. C'est peut-être une mauvaise idée, mais. Ah oui, c'est une mauvaise idée. Évidemment que c'est une mauvaise idée, parce que je sais que ça va me TP là. Je m'en souviens. Ah, mais on voit où ça. Hein. Incroyable.
tous les jours. C'est pas quelque chose qui monte plus, quoi, à droite. Ah, ça c'est pas ouf. Combien j'en ai ça? J'en ai plus qu'un, ouais, d'accord. Donc non. Bon, j'ai compris. Alors, faudrait peut-être que je refasse un coup de ça avant, voilà. On va y arriver, hein, tranquillement mais sûrement. Et la fleur de brun, ouais, voilà, parfait, allez. J'ai l'impression... Non, pas dingue du tout. Oh non, pas dingue du tout. Vraiment pas ouf ce que j'ai fait. Tiens, il est prêt à mettre le prix, hein, j'ai vu. Wache. Plaisir de faire affaire avec toi. Montre-moi ce que t'as en magasin, je pense que je vais te prendre tout, à peu près. Je vais débosser ça, parce que faut pas déconner. J'ai besoin d'une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans mes champs. J'aimerais avoir une potion sans effet secondaire. Une porte de mon manoir est bloquée, ce n'est guère surprenant puisque le manoir ne date pas d'hier. Avez-vous de quoi ouvrir cette porte? Eh ben, techniquement oui, mais à chaque fois vous me dites que ça ne vous voit pas, donc non. L'ensorceler un objet avec le pouvoir du feu, il me faudrait donc une potion qui en contienne. Tiens, ça traîne depuis un moment. C'est pas la plus forte, mais au moins je m'en débarrasse. Et ça me fait économiser quelques ressources. Je pense que j'ai mangé quelque chose d'avarié et j'ai très mal au ventre, sans parler des flatulences. Est-ce que je... Y a-t-il quelque chose qui puisse me sauver? Ouais. Bah non. Non, vous allez mourir, madame. Désolé. Ouais, je... Bah là, c'est pas dingue. Je peux même pas augmenter mes d'éventuelles potions... jusqu'au niveau 3 parce que je ne peux pas. Est-ce que je peux placer des trucs d'avance, genre le truc d'escargot là, c'est quoi, niveau 1? Ouais. Si je fais ça. Oui d'accord, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Allez.
Ouais. Ah, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément commencer à préparer les potions qu'il nous faut. Donc la potion de dodo, est-ce qu'on peut la faire? Oui. Très bien. Ensuite, il va nous falloir une potion de force, une potion de poison. Niveau 3. Niveau 3 poison, je ne peux pas. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Alors par contre, le somnifère, où est-ce que je dois le mettre? Je dois le mettre là. Est-ce que si je quitte, on est good, en fait? C'est ça, là. J'imagine que oui. J'espère que oui. Après, il nous faut... Ah oui, d'accord. Force et... ça. Le problème, c'est que j'ai rien. On va essayer de revendre les 3-4 conneries qu'il y a là, à la rigueur, mais... montre-moi ce que t'as en magasin, vas-y. Pourquoi pas. Aujourd'hui, un simple rire, mais puis... Auriez-vous une potion pour régénérer mon mana? Tiens. Chimiste, comment on vend les affaires? Vous vous souvenez du poison dont j'avais parlé? Il ne sort que la nuit pour manger des lucioles. Un jour. Je crois que les légumes de mon champ ont rétréci. Vous avez quelque chose pour les refaire grossir? Alors, oui, mais... ouais, voilà. Mais j'ai plus rien pour faire rien, quoi. Au secours. Ça, ça mène là, d'accord. Donc, pas dingue, finalement. Mais pourquoi pas? En plus, j'en ai masse de ces conneries-là. Cher payé quand même. Bon allez, vas-y, sors. Faut bien que je gagne du blé quand même. Truc de ouf, comment les ressources qui étaient les moins rares, j'en ai plus, quoi. Bon, ce serait une potion de niveau 2, hein. Allez. Ok. On va. Ah, ça m'intéresse ce que tu peux potentiellement avoir. Genre tout ça, là, ça m'intéresse. Ça aussi, ça se fout. Déjà négocier ça parce que... Voilà. C'est vraiment des ingrédients de base, mais c'est ce qui me manquait, quoi. Ah, j'aurais dû demander les conseils, merde, j'avais pas vu qu'il y avait un truc où vous avez des conseils pour faire pousser dans mon jardin. J'ai besoin de poison, oui. D'accord, moi aussi. Alors, j'en ai fait deux. Comme ça, je vais en mettre une tout de suite. En bas. Où est-ce qu'il faut que je le mette, le poison? En haut. Alors, si je regarde, on est bon. Oui, voilà.
Pardon. Tiens. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne de la courante. Vous avez de... Oui. C'est sexy. Allez, barre-toi. Ça se dispute entre eux à la moindre provocation et risque de s'en tuer. Une potion qui puisse lancer les hostilités. Tiens. Heureusement que j'ai des potions d'avance quand même. Des blattes, t'entends envahir ma cave, il y en a partout, machin. Ah, tu fais chier. Alors, poison, il est là. Il y a un truc qui peut y aller direct ou pas On est qu'un. Ah ouais, c'est dommage. Ça. Si je le prends, en vrai, ça pourrait pas faire le taf. Je vais peut-être pouvoir même la faire niveau 3, c'est pour vous dire. Ah, peut-être pas. Je vais pas gaspiller plus que ça. Hein. C'est pas grave. Tiens. Allez. Va-t'en. Ok, la journée est finie. Ah ! Qu'est-ce qui nous manque ? Force, escargot et caillou. Où est quoi ? C'est en bas, putain, mais c'est débile à faire en fait. Ah, ouais, je commence à voir où est le problème. C'est que je vais pas avoir de fer bleu. Attendez. Ah, et ok. L'autre est juste en dessous. Ok. Enregistreur, certes, terminer la potion. Ouais, ça. Au revoir. Elle va où? Elle va à côté du poison. Ok. Comme ça. Remontons. Ça monte, ça risque d'être plus complexe. Et il est où l'escargot là? On voit pas à quoi il est connecté ce téléporteur là. C'est fort dommage. Est-ce que ce serait pas ça? Oui, là j'ai l'impression qu'il y a des pointillés sur ce téléporteur. Et je me dis que ça peut se tenter, non? Je sais pas. Bon, quelque chose qui descend, du coup. Ah, ça descend trop pas bien. Ah, je pense que je vais pas poursuivre... la confection de potions hein, pour le moment du coup.
Donc, tout ça. Dites-moi, cette session, je savais. Alors, voulez-vous acheter ou vendre quelque chose? Montre-moi ce que vous avez en magasin. Voilà, forcément, ça. Ça, ça. On est pour combien là? Allez. Hop. Allez, barre-toi. Je veux qu'une femme tombe amoureuse de moi, de personne d'autre. Vous avez une potion pour lui jeter un sort, dites à... Oui, oh bah putain, ça fait 1000 ans que je la traîne. Barre-toi. Vous vendez encore des potions qui aident pour ceux qui touchent à l'intimité. C'est pareil, ça fait un moment que je la traîne, celle-là. Elle est de niveau... Attendez, elle est niveau combien, celle-là? Niveau 2, ok. C'est tout pour ça. Allez. Partons bientôt dévaliser des caravanes, le butin, le machin... Alors, attends. Bientôt dévaliser de caravane. Le butin est substantiel, mais il est lourdement gardé. J'ai besoin d'une potion protectrice fortifiante quelconque. Protectrice ou fortifiante quelconque. Attendez, ce pot de pierre, je peux la faire. 5, 1, 1. Ça m'intéresse de voir ce que ça peut donner pour mon usage à moi. Ah, non. 5. Ah oui, après les 5, elles étaient peut-être pas tous au même endroit. Effectivement. Mais c'est possible d'y aller, puisque... Me l'a dit. Le jeu vient de me le dire. On refait voir la recette, là. Oui, c'est ça. Le truc pour aller à gauche. Et là. Je pense qu'il l'a fait comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Si je peux lui en faire une à lui, je lui en fais une à lui, hein, mais... Moi d'abord. Ah, vraiment. C'est pas de chance, hein. Putain, celle-ci qu'on s'en fout, c'est celle-ci qu'on s'en fout. Hop là. J'aurais peut-être pas dû la supprimer parce que je me dis que... Si ça se trouve, je peux la faire que en niveau 2 pour lui là-bas.
en dessous, donc là, voilà. Je peux lui en refaire une ou pas? Je peux. Tiens. Pas mal. Montre-moi sous ton magasin, pitié. Mais t'as pas des trucs si fous que ça, je trouve. Hein. Enfin, c'est que, en fait, il a des trucs assez fous. Mais moi, j'ai besoin des trucs pas fous, justement. C'est ce qu'on va dire, mais. Je dois m'arranger pour quelqu'un ait un accident, disons un incendie, avez-vous quelque chose pour me. Oui. Je peux créer des incendies pour vous, madame. Tiens. Voilà. Je dois faire exploser quelque chose, mais je connais aucun sort de cette nature. Vous avez quelque chose qui. Bah oui, du coup. Explosion, par contre, je crois que je suis encore que niveau 2. Niveau 1, oh. Oh. Continuez à concours. Ah, on peut faire ça, vraiment. Incroyable. Bah, attendez. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est nul à chier, par contre. Je pensais pas que ça ferait ça comme ça. Ok. Alors, par contre, c'est intéressant pour les potions à plusieurs effets. Si jamais. Négocier. Parce que là, s'il était dessus. Mais qu'il. En fait, c'est parce qu'il l'a fait chauffer, c'est dommage. Vache. J'ai besoin d'une potion qui rend rapide comme le vent. Ouais. Est-ce que vous avez un sédatif, machin? J'ai. J'ai ça. Ok, bon, la journée est terminée. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Celle de l'escargot, là. Je regarde vite fait, je crois que je l'ai que en niveau 1. Ouais, c'est ça, ralentissement, je l'ai que niveau 1. Ah, pour moi, essayer d'aller là, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais on va voir. Ok. Là, si je fais ça. Sinon, il faudra encore attendre une prochaine fois, c'est pas grave. Attends, je vais faire ça seul. Voilà. Ok, ça va pas du tout là où je pensais que ça allait aller. Pardon. Descendons. Ça a touché le bord, mais. Et si ça va aller? Je ne sais pas. Ok. Attention. Oh, putain! Bon, bah, ok, c'était bien nul, ce que j'ai fait. C'était bien nul. Bon, je fais encore quelques journées, puis je m'arrêterai incessamment sous peu.
Vous n'aurez pas besoin de papier enchanté. Il a que ça en magasin. Ah non, il a ça aussi. Ok, bon, bah, je sais que j'aurais économisé. Allez, partout. Je dois bientôt partir en chasse aux fantômes. Ces morts-vivants ne craignent pas la scie par chance. Ils sont vulnérables à la magie. Donnez-moi une potion capable de rendre une lame magique. Je vous paierai en monnaie. Est-ce qu'une potion de mana, ça suffirait? Je sais pas. Hein. Au revoir. Non, bon, bah, terminé le dialogue. Au revoir. J'ai besoin d'une potion, quelque chose qui serait utile au combat. Vous avez ça? Bah oui. Ça peut être utile. Hein. Tiens. Feu et poison. Je veux qu'une personne tombe amoureuse de moi et qu'elle m'apparaisse. Bah dis donc. Monsieur. Bah tu vas te faire foutre. Ouais, j'ai besoin de plantes là. À force, je vais avoir plein d'alternatives autres que mes livres de recettes, ce qui est cool. Une potion qui fasse galoper mon cheval à la vitesse du vent.